Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins, IDLE. Vidéo Invocation, vous avez dans le titre Invocation Escanor. Au final, c'était le prochain. Donc, j'ai pas fait de vidéo patch note, machin, analyse du kit et tout. Parce qu'en vrai, flemme, hein, on s'en fout un peu, j'ai envie de vous dire. Honnêtement, on sait très bien qui va être pété dans tous les cas. Et voilà, en plus, vous pouvez voir un peu ce qu'il fait, tout ça. Donc, honnêtement, voilà, il est broken de fou. Il attaque tous les ennemis, il attaque une zone et tout. Ça, le Escanor, mais il va être tellement fumé pour le mode défense. Mais c'est un truc de baiser. C'est pour ça que je vous le dis, les gars, là, si vous voulez invoquer, invoquez. Mais vraiment, tu invoques jusqu'au dernier moment du portail. Le Escanor, c'est le meilleur personnage du jeu actuellement. Donc, voilà. Donc, j'ai de quoi faire, j'ai des tickets. Au cas où que je droppe Escanor sur les tickets. Donc je pense que on va commencer par les tickets et ensuite on verra pour les diamants. Hein, voilà. On va faire vocation à auto. On va claquer les tickets pour voir un peu si on peut dropper du légendaire. Ok. Oh, doublon de l'autre. Ok. Ouais. Ça part vite, hein, n'empêche. En tout cas, j'espère que vous allez dropper hein, pour ceux qui vont invoquer. Dans tous les cas, à force d'invoquer, vous allez dropper les doublons hein, obligatoirement. Malheureusement, j'ai rien eu d'intéressant. Et pas de Escanor qui tombe sur ces tickets-là. Parce que c'est possible, hein, mais. Ok, et je suis bientôt au niveau 9 en invocation. Ça fait plaisir. Ok. Je vérifie quand même, hein, mais Escanor, je crois qu'il est bien dedans. Hein. Et voilà. Je me disais. Du coup, allez, c'est parti, invocation avec les diamants. C'est vrai que j'ai pas beaucoup, c'est parce que j'ai. Bah, j'ai. Bah, je bloque un peu dans le mode histoire, en fait, tout ça, et puis. J'ai pas pu trop jouer, donc voilà. Waouh, toujours que dalle. Ah, ben voilà, il est tombé. Let's go! Il est tombé, le fumier, il est tombé. Bah, de toute façon, c'est sûr, hein, je vais continuer d'invoquer, hein, je veux des doublons. C'est sûr et certain, donc s'il te plaît, Scanner tombe encore. Allez frérot. Non. Et je suis. Il me manque encore 1000 invocations. Et je pourrais avoir des doublons. Donc au pire, je vais voir, je vais essayer d'économiser les diamants. Et puis ouais, je vais essayer d'économiser les diamants. Et puis ensuite, je verrai bien les gars. Je referai une autre vidéo d'invocation, je sais pas, au moins que j'invoque en off. Ils ont amélioré un peu le système et tout du jeu, je crois. Corriger les bugs aussi. Et puis voilà. Par contre, attends, il est où le frérot, là? Ah, il est là. Voilà, niveau max. J'ai hâte de le tester. Et voir ce qu'il donne. Donc maintenant, il va rentrer dans la team Seven Deadly Sins. La team Seven Deadly Sins, elle va être mortelle. Donc là, les gars, à mon avis, pronostic. Prochain personnage, c'est Marlin. Merlin, quoi. Je pense. Ou alors, une Jeanne. Pourquoi Jeanne? Parce que Jeanne, certes, on l'a déjà. Mais on n'a pas encore une Jeanne qui rentre dans la catégorie Seven Deadly Sins. Donc pour moi, on aura possiblement une Jeanne. Donc peut-être le prochain. Ou après justement Merlin. Mais dans tous les cas, on aura soit Merlin, soit l'autre. Jeanne. Pardon. Du coup, voilà. Voilà grosso modo. Attendez, je récupère tout. J'ai eu pas mal de doublons. Ça me fait pas mal de diamants récupérés. Et puis voilà. Hein. Je sais que j'ai envie de vous faire une vidéo test Escanor sur le machin, mais je sais très bien que je vais pas avoir le temps de le faire. Et que dans tous les cas, il y a d'autres personnes qui vont le faire, hein, je vais vous dire. Donc bon, j'essaierai quand même, mais bon. Escanor pour le mode défense, il va être incroyable. Donc voilà. Hop, je récupère tout ça. En tout cas, voilà, j'ai quand même droppé un exemplaire, donc c'est suffisant. Et objectif, choper des doublons à l'avenir. Donc je vais essayer de farmer le mode histoire. Et ensuite, je verrai bien. Et d'ailleurs, je vais voir, parce que du coup, il y a le nouveau mode de jeu qui est là. Alors, est-ce que c'est encore un event intéressant ou c'est un event de merde? Alors déjà, dans la boutique... Ah ouais, là ouais, tu vois, ça donne envie de jouer là. Ok.
Et ben tu vois, l'event là, il donne envie de jouer. Parce que l'event d'avant, c'était éclater sa mère. Ok. Et c'est quoi le jeu là, qu'on rigole? Traitement de reste. Attendez, on teste les gars. Traitement de reste. Attends, j'ai pas compris. Ok, on va voir. Attends, je teste un découverte ensemble. Ok. Je comprends que dalle, frère. Ok. Je peux déplacer, non? Je peux rien faire. Ok. Ouais, c'est compliqué leur truc à deux balles là. Bah c'est pas ouf, hein. Attends, faut pas faire des trucs simples comme le premier event. Le premier event, il était super. C'est de la merde. Ah, je suis désolé, hein, mais c'est de la merde, hein. Après, je sais que c'est peut-être parce que j'ai pas compris, hein, mais bon. Obtenez des points en touchant les endroits avec la même nourriture à côté. Ok, bon, après, c'est vrai que j'ai pas lu juste avant, hein. Je m'excuse, je reteste, on va voir ça ensemble. Donc, genre là, ça marche pas. Ouais, mais je comprends pas leur délire, c'est de la merde quand même. Ouais, c'est de la merde quand même de fou, ouais. Ouais, c'est de la merde. Je te jure, j'aurai la flemme de faire ça de tous les jours, les gars, je vous le dis. Pff, oh là là, encore un truc à la con, frère. Le jeu, il est bien, hein, mais par contre, les events, frère, il faut retravailler ça. Hein. Putain, je veux bien que ce soit idéaleux, mais quand même. Mais putain, mais. Ouais, c'est de la merde, sérieux. Ça veut pas se péter, à un moment donné, il nique ta mère. Ah, je suis désolé, hein, mais il faut. Oh, ouf. Ouais, bref, ok, c'est de la merde, c'est pas grave. Pff, ouais, je verrai bien, de toute façon, j'aurais pas trop le choix. Ok, on a eu des récompenses. Ouh, 50 coffres. Ok, récompense intéressante à dropper, on peut voir, ok. Et ah ouais, 2000 diamants et tout. Oh. Ok. Bon, ça que c'est tentant pour les récompenses, mais c'est de la merde quand même. Alors, je testerai de jouer. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est. Non, mais. Ah non, non, non. Il y a encore ça là? Ou c'est pas encore parti? Ah, non, ok, d'accord, c'est pas encore parti, je crois. Ah ouais, non, 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 parce que c'est de la merde. Hein. Ouais, participer, attendre un combo max. Je sais pas c'est lequel, si c'est gauche ou droite. Ouais, je sais pas. Bref, je verrai bien, les gars. Dans tous les cas, j'ai pas fait encore le truc quotidien, je vais le faire tout à l'heure. Ouh, 1000 diamants. Ah bah, tu sais quoi, on peut encore re-invoquer dessus. Ah ouais, mais du coup, ça me fait pas 1000. Ah bah, c'est pas grave. J'économise pour la prochaine vidéo, peut-être. Bon, bah, c'est tout. Écoutez, je vais farm, je vais faire le truc quotidien que j'ai pas fait. Oh, le doublon de galant vidéo. Po, 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 les gars, let's go. Il manque un doublon pour galant pour l'avoir 2 étoiles. Bah, du coup. Ben moi je vais tester Scanor pour le mode histoire et tout, mode défense. Après je vous ferai peut-être une vidéo dessus, je verrai bien si j'ai le temps. Et puis ouais c'est tout. Après par contre pour l'event je vais avoir tellement la flemme. C'est tellement de la merde. Bref c'est tout. Moi je vous dis à très bientôt les gars, j'espère que la vidéo vous aura kiffé. Voilà c'était une vidéo simple, chill, rapide. Il y a d'autres vidéos qui vont à venir, il y a une vidéo invocation sur solo leveling. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, qui vont pop en même temps que celle-là, donc n'hésitez pas à les voir. Et puis voilà les gars, prenez soin de vous, c'était Monsieur Phoenix, sur ce, ciao bye Cimer.